Corps de gendarmerie mobile, né le 1er janvier 1949, où des éléments des escadrons de la gendarmerie d'occupation, stationnés à Waldkirch et Simmern en Allemagne, viennent s'implanter à la caserne de la Trémoille à Vitré, à l'effectif de 3 pelotons, et à la caserne Marguerite à hauteur d'un peloton. Cette unité prend alors l'appellation de l'escadron 1-3. De 1949 à 1955, l'escadron effectue de nombreux déplacements pour le maintien de l'ordre, effectue des escortes de trains de munitions et assure la garde du maréchal Pétain au fort de la Pierre Levée sur l'île Dieu. Durant cette période, de nombreux militaires de l'unité sont déployés pour des séjours de 2 ans en Extrême-Orient, Tonkin, Cochinchine, Indochine. En avril 1951, le premier peloton de l'unité est doté de 5 chars modèle 24, préfigurant la tradition blindée de l'escadron qui se perdurera jusqu'en juillet 2005 avec les VBRG, véhicules blindés à roues de la gendarmerie, dont 2 exemplaires sont positionnés de part et d'autre du mât des couleurs. Les conflits en Extrême-Orient et en Algérie mettront en exergue les qualités professionnelles de l'escadron 1-3 de Vitré, qui payera un lourd tribut, notamment en Algérie. Le 20 août 1955, un adjudant-chef et 2 gendarmes tombent sous des balles ennemies à leur poste de combat au col des Oliviers. Le 13 janvier 1960, un peloton tombe dans une embuscade et 2 gendarmes sont blessés par balle. Le 16 mars 1960, une automitrailleuse saute sur une mine blessant gravement 1 adjudant et 2 gendarmes. Pour ses engagements sans faille, l'escadron reçoit 16 citations, dont 1 à l'ordre de l'armée, 2 à l'ordre de la division, 5 à l'ordre de la brigade et 8 à l'ordre du régiment. 47 témoignages de satisfaction et lettres de félicitations sont également accordés. Le 1er juillet 1967, les légions mobiles sont supprimées et l'escadron est rattaché à la région et prend l'appellation de escadron 2-8 de gendarmerie mobile. Le 1er juillet 1974, l'escadron quitte Vitré et vient s'implanter au quartier Marguerite à Rennes, et le 1er septembre 1991, à la création des légions de gendarmerie mobile, prend l'appellation escadron 11-3 de gendarmerie mobile. Au cours des dernières décennies, l'escadron aura été engagé sur tous les fronts où l'actualité l'exigeait, en métropole, dans les départements et territoires ultramarins. Par ailleurs, l'unité sera déployée sur plusieurs théâtres d'opérations extérieures. En 1997, un peloton assure, dans des conditions particulièrement difficiles, la garde de l'ambassade et la résidence de l'ambassadeur lors d'un conflit civil au Congo-Brazzaville. En 2001, dans le cadre de l'opération Trident, l'escadron participe au maintien de la paix au Kosovo en ex-Yougoslavie. Enfin, en 2010, l'escadron est déployé sur 2 théâtres en proie à l'insurrection et singulièrement exigeants, l'Irak et l'Afghanistan. L'Irak, où la sécurité des emprises françaises à Bagdad sera assurée par 18 militaires, et l'Afghanistan, où à terme de 7 mois de préparation, 44 gendarmes sont déployés sur les bases opérationnelles avancées de Nishrab et Tagab dans la vallée de Kapisa. Pendant 6 mois, les 2 POMLT rennaises conseilleront et accompagneront leur homologue afghan sur le théâtre lors des opérations menées par l'armée française. Trait d'union entre le passé et le présent, 2 sous-officiers en tenue Afghanistan et porteurs des fanions de tradition de l'escadron sont placés devant les VBRG. Cette prise d'armes se déroulera de la façon suivante. Les honneurs seront rendus au drapeau de la région de gendarmerie de Bretagne. Le général du corps d'armée Serge Caillet procédera à la remise de décoration. La lecture de l'ordre du jour sera suivie d'un hommage aux morts en service de l'escadron 11-3 de gendarmerie mobile. À la fin de la cérémonie,
la remise du fanion de l'escadron au commandant de la région de gendarmerie de Bretagne, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ouest, suivi du dernier défilé de cette formation, symbolisera la dissolution de l'unité.